Et on est de retour. On va aller détruire la bestiole. Avant de continuer, parce qu'on n'est pas prêt. Quoi qu'après, ça ferait des... Non, on va la détruire. Je vais pas commencer à laisser des choses. En tout cas, bienvenue dans cet épisode. On va aller... Partout quoi, laissez-moi tranquille. On va aller s'occuper de la bestiole parce que après nous on veut faire une jolie base avec plein de plantes. Ouais, très bien. C'est bon. Researching it in the lab. Threat neutralized. I wonder what made it so aggressive. Je sais pas. Maybe we can learn something important after researching. Ouais, sûrement le fait qu'on vient détruire sa planète quoi. On vient la polluer. Et tout ça. Comme d'habitude, hein, de toute façon, c'est comme ça qu'on fonctionne. Quand on ira coloniser Mars dans une cinquantaine d'années, on fera pareil. Alors, vérification de la base, on est bon, là le grand mur, on est bon. Donc ça du coup on n'en a plus besoin, ça marche. Ok. Ça on n'en a plus besoin. Très bien. Ça on peut laisser ça là, c'est protégé, qu'est-ce que je vous dise, c'est pas mal. Alors il nous faudrait beaucoup de courant. Alors comment on va faire l'électricité, Bon, déjà on va set up un système d'eau là. Déjà. Ça nous fera quelque chose. Il y a des bestioles. Oh. Il y a ce cube là qui veut pas partir quoi. Oh là là, t'es sérieux. Je me demande si au bord comme ça. Bon, on verra de toute façon si ça le fait. Normalement, ça, il devrait pas les toucher ça, je crois. Là. Faut juste pas le mettre sur la terre. Je pense. Voilà, très bien. Donc déjà, on a ça qui est prêt. Là, on en a encore un autre. Honnêtement, on n'a pas besoin d'autant de trucs. Mais... C'est juste le fait de... Que ça soit prêt, quoi. Voilà. Alors, on peut directement transférer ça en eau. Ou alors on a emmagasiné la boue. Est-ce que ça sert à quelque chose d'emmagasiner la boue? Pas vraiment. Hein. Ça sert pas vraiment à quelque chose. Ici on peut faire donc le traitement de boue. Ça arrive dans 14 secondes, putain. On va s'équiper parce qu'on n'a pas de tourelle que dalle quoi. Donc on sait jamais. Je vais y arriver, hein, je vais y arriver. Voilà.
joueur. Ah oui, après on peut prendre... Oh oui, c'est vrai que j'avais oublié, on a la vase. Ah. Ouais, ça c'est emmerdant, on n'a pas de la vase en fait dans... Dans la base. Je voudrais ne pas détruire la faune, flore, enfin... Non, c'était une blague. Ah, vous y allez franco hein les machins, hein. Faut vous calmer hein, quand même. Ok, 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 doucement, doucement. Ok, 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 ok. Ok, soin. Ils sont passés. Je crois. Non, ils sont pas passés. Hein. Oh mon dieu, dégâts que je prends. Toi. En fait, ils sont en train de bombarder, c'est ça le problème. T'es sérieux? Faut trouver les abeilles là. Sinon on va passer un mauvais quart d'heure. Ok, on en a eu un. Eh ben...
sans déconner quoi. Il y en a un autre. Là. Ils nous ont défoncé le mur. Ah ben putain. Je crois qu'on va peut-être se... On va peut-être se bouger le cul. Par rapport à créer... une base qui fonctionne, parce que oui, j'avoue que c'est assez violent en fait. J'avoue que c'est assez violent. Après tout se recraft assez vite hein, mais... Oh mon dieu, ils ont vraiment tout défoncé quoi. Ils ont vraiment tout défoncé quand même. Bon, on a un problème niveau la boue là, ouais. Quand on met des trucs un peu trop vers l'extérieur, il tape dedans. Quoi. Genre, bah ils ont tout détruit ici en fait. Ils ont tout simplement tout détruit ici. Peut-être pas le la meilleure chose ici. Que je réfléchisse sur quoi faire. Comme j'ai dit, on peut faire le coup de la vase qui pourrait être intéressant. Coup de la vase qui pourrait être intéressant. Par contre, ouais, c'est loin, quoi. Après, faire téléporter de la vase. Je sais même pas si ça marche bien, en fait, ce système. Oh là là, putain, il y a des trucs partout, quoi. Alors, je vais voir un peu. C'est quoi ce bruit ? C'est bon quoi. La vache quoi, c'est une horreur ici. Alors, on nous a dit que c'était dangereux, mais quand même. Ok, on a connecté les trucs, donc là si on fait... Compresseur de liquide, ouais, c'est de l'uranium, parce que là, ça fait même pas beaucoup en fait.
Ça fait vraiment pas beaucoup de liquide, hein. C'est ça que je comprends pas. Je vois pas pourquoi. Je vois pas pourquoi on a. C'est tout con en fait ce système. Je vois pas pourquoi c'est nul. The weather is changing. There's a tornado on the horizon. It's heading straight for us. Ah bah c'est super. Attends, en fait, je devrais faire comme ça. Warning! The tornado is extremely dangerous. Stay out of its path. Ah, oh, ah oh oui. Ah, oh, faut que la tornade elle soit sur nous. C'est énorme. Pourquoi il y a un point rouge? Tu peux voir un peu? Oh putain, pas là, ça va exploser. Ah yes, nickel. C'est super. C'est super. Ce monde est super. Ce biome est super. Magnifique. Magnifique. The tornado has dispersed. Let's assess the damage that it's done. Alors, du coup, où est-ce qu'on pourrait placer les choses? Ça j'aime pas. Voilà. Alors là, on pompe la vase. Et on en met un peu. Ah oh, putain. Le truc c'est qu'on n'a pas vraiment de bon endroit. Je sais pas. Je sais pas où placer les choses en fait. C'est ça qui m'embête. Alors là, ce rocher me fait chier. Voilà, très bien. Voilà, maintenant, on a 129K de... De ça. Maintenant, il nous faudrait ça. On va en mettre, je sais pas, ici. 3, 4. Voilà. Très bien. J'aurais bien voulu passer par là. Attends, on va refaire ça. Oui, gaz inflammable. On va faire comme ça. Quatre. Quatre pour le moment. Non. Et je peux pas... Si, je peux. Voilà.
Donc là, c'est quasiment plein. Et là, ça fait le gaz. Voilà. On arrive à quelque chose. On arrive à quelque chose. Mon dieu. Gaz. C'est ultra violent. C'est ultra violent. Par contre, je vais mettre les générateurs là un peu spéciaux, je vais les mettre au même endroit comme ça si jamais on veut. Toi c'est quoi ça, c'est des plantes. Comme ça si jamais on veut qu'ils fonctionnent en même temps, on va les faire comme ça. OK. Alors, ça va venir de ce côté-là, ça va venir de l'autre côté. On a encore 15 secondes. Je suis pas prêt du tout. Danger! Hostile creatures are approaching our base. Get ready for battle. Ok, go. Ça devrait un peu mieux se passer, enfin je pense. On fera un peu plus attention cette fois. Ah là on est. Là on joue contre le temps et tout quoi, c'est vraiment vénère ici. Pas vraiment le temps de se reposer, rien. De lance-grenade, c'est ça qui les tue vite. Ah, dès qu'il y a un peu d'explosifs, ça va mieux, hein.
C'est bon. Oh putain. J'ai l'impression, je suis pas complètement sûr, j'ai l'impression qu'ils veulent pas trop qu'on reste. Après le tuyau, ouais, ils ont l'air de s'en foutre un peu. Hein. Je crois qu'avant, comme je disais, je suis quasiment certain qu'on pouvait pas les passer les tuyaux. Et du coup en fait ils tapaient dedans tout le temps, ils les détruisaient, donc c'était extrêmement chiant. En gros moi ce que je faisais pour les protéger, ce que je me rappelle de faire ça, donc je suis sûr qu'on pouvait pas les passer. Parce que je mettais moi des murs. Et je suis sûr que beaucoup de gens en fait faisaient ça. Donc quand vous aviez un tuyau qui faisait genre le biome, la map, vous mettiez des murs en fait. Et vous les protégiez comme ça. Je suis certain de ça moi. Ok, ça c'est au max, c'est au max. C'est très bien. Voilà, on a le courant est bon. Là, ça charge. Voilà, ça charge. À la limite, il nous faudrait plus de trucs parce que, honnêtement, on peut aller plus vite. On peut faire plus de gaz en fait. Nettement plus de gaz. J'ai envie d'enlever cela là. Ça sert un peu à rien. Hop, là on est bon. On va recrafter ça, refaire le mur. Bien. Bah au final on se débrouille en fait avec les générateurs là de gaz en fait, c'est vachement bien. Maintenant comme j'ai dit que c'est plus facile à gérer, j'ai envie de dire que ça va quoi. Ah, très bien. On a combien d'IA? Ok, ça va, on en a pas mal. On va faire les murs. Interesting. We should go and investigate that area. Ah putain de plante de merde. Genre on n'a jamais un moment à nous quoi, c'est ouf. Incroyable. Ça va, ça augmente? Ouais, ça va. On devrait faire tous les murs déjà, mais bon. On va aller faire la bestiole. Les plantes, je sais pas trop. Les plantes. Les monstres, en fait, je sais pas trop comment ça marche. Si au bout d'un moment ils attaquent ou pas. Oh, tout ce qu'il y a.
This looks like a nest of some sort. We should clear it out and reduce the strength of hostile attacks. There is a lot of them inside. This might be difficult. Okay, let's show. This should stop them from gathering in this area and improve our chances of survival. Très bien. Every bit helps. On va d'abord mettre les trucs de soin. Encore heureux qu'on a... Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ok, très bien. Encore heureux qu'on a fait une petite base. J'ai envie de dire... Parce que du coup il faudrait encore plus de... Je les mets très proches les uns des autres, c'est vraiment pour que ça soigne à mort. Parce que en plus il faudrait... Plus de... Dia pour pouvoir protéger. Donc ça va demander plus de puissance. Donc ouais. Ouais, c'est le fun quoi. Alors par contre, les trucs, on va les mettre aux extrémités. Ouais, on peut en mettre un là. D'accord, je vois pas pourquoi tu t'es décalé, tu me fais chier. Hop. Très bien. Ah, on va faire une base. Honnêtement, on va faire un coin super sympa. Je pense. Tiens, on va en mettre un là. Oh la vache. Genre, zéro répit ici. Zéro répit. Mais ouais, on va faire un petit truc vraiment, vraiment top. J'aime bien. Ça va être la petite base tranquille. Qui résiste à tout. The tornado is destroying everything in its path. Ouais, tu peux me... Genre... Me dire une bonne nouvelle ou c'est interdit ici? Des bonnes nouvelles. J'essaye de pas trop dénaturer le terrain aussi. Bien, là on est bon. Voilà, nickel. Et ah oui, il en faut là aussi. Parce que là, il faut réparer les. Ça, faut protéger ça. The tornado is finally gone. Attends, là, ça. Je pense qu'il va falloir faire. Ah, parce que là, ça serait pas mal en fait. Je vais voir si je peux jouer avec les tubes. Pas vraiment en fait. Oh, Dieu. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Oh mais putain! C'est quoi cet endroit de merde quoi? C'est bon, plus personne?
super de courant. Pourquoi? Ah! Ah oui, la tornade, elle a tout niqué, oui, d'accord. J'avais oublié. Voilà. Ça fait beaucoup de... d'IA utilisée pour les soins, mais honnêtement, on en a beaucoup. On en a encore 171 de prêtres, quoi. Bon. Voilà, là on voit bien. Là, il faudrait en mettre juste un là, de radar. Très bien. Très bien, très bien. J'ai envie d'enlever ça, honnêtement. Je sais pas. C'est pas vraiment utile. Enfin, quoi qu'honnêtement, ici, il n'y a pas beaucoup d'espace. Donc, à la limite, on peut laisser ça là. C'est pas très grave. Voilà, très bien. Donc là, on a beaucoup de courant. On peut voir. Ça va, ça monte. On a plein de vases. On peut même faire encore une grande réserve de vases. Et ça serait vraiment pour le fait que si jamais, en fait, on se fait détruire l'accumulation de vases, les pompes. Du coup, on aurait une très grande réserve de vase, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, je pense pas qu'on va vraiment avoir des problèmes, en fait. Voilà, ça fonctionne. Ok, ça monte. Là, ça fait quoi? Ça descend. Ok, ça descend assez vite. Même avec les autres qui sont finis ou pas. Faudra voir dans 13 secondes si l'accumulation de gaz descend encore ou pas. Sinon, le soin, on est d'accord que ça couvre tout, là. Oui, ça couvre tout. Alors... Ok, ça c'est bon, c'est fait. Là, les pompes... Bah, les pompes et la création de vase est égale. Donc ça va. Et là, le gaz... Ah mais merde, mais on est au max. On est au max d'électricité, donc ça va en fait. Bon bah du coup, ça va re-remplir les pompes. Quoi. Les trucs du gaz. Ok, non, c'est bon, on est bon. On est bon. Alors, je voudrais... Alors, je vais voir un peu. Hop. Les mines, on s'en fout. Les lance-roquettes, ça aide hein, quand même. Ça aide vachement parce que ça fait exploser les gros cailloux là facilement. Ok,
qu'est-ce qu'on a? C'est con, on est un peu limité en défense. Encore une fois, c'est parce qu'on n'a pas les bons matériaux. Ça, ça sert à rien, les tours Morbius, Morphium. On peut pas les alimenter, donc on s'en fout. Je vais améliorer les autres. On a encore 150 IA. Des merdes. Danger! A hostile swarm is moving in on our base. They are almost upon us. Ok, très bien. On va se rééquiper parce que les vagues à chaque fois, il y a des putains d'insectes là. Il faut dans la merde. Et après on va commencer les récoltes. Hein. Il faut qu'on refasse notre boue là. Tout ça a été détruit. Est-ce qu'on a mis des lance-flammes à droite? Je m'en rappelle plus. Putain de destruction, quoi. Oh là là. Va te faire mettre, toi. C'est ça à chaque fois qu'il nous... C'est pour ça que c'est vrai que les... Ces trucs-là, les sols élevés, tain, c'est la merde à chaque fois. Voilà, bah, regarde-moi ça. Oh mon dieu, mais il n'y a que ça, quoi. C'est ouf. Bah après on a énormément d'explosifs et tout ça là ça va. Et d'énergie donc. Putain, ils font mal ces cons. On va peut-être pas rester dans la base. Ils sont en train de détruire les tuyaux. Bon, ça se passe déjà beaucoup mieux. Ok, là du coup il n'y a plus d'arrivée de vase, c'est ça? Oh mon dieu, il y en avait trois. Quatre. Bon, déjà, ça se passe nettement mieux. Ça se passe déjà nettement mieux. Bon, par contre, ouais, pour la vase, je sais pas trop comment gérer ça. Parce que si on fait des trucs qui se téléportent, bah du coup, il faut les alimenter et tout. C'est un peu du pareil au même, quoi. Enfin, en fait, non, pas vraiment, parce que ça prend pas beaucoup de ressources. J'en sais rien. Ouais, bon, ils attaquent pas le machin directement, quoi. Hmm.
Pourquoi tu soignais pas, toi, tu peux me dire? Ouais, ça soignait, mais c'est juste là. Ok, alors, une seconde, parce que je sais pas trop quoi faire, en fait. Parce que si... on... Après, bon, oui, ça consomme pas beaucoup, le truc de téléporter du liquide. Mais il en faut plusieurs, parce que c'est à peine 100. Parce que nous, on a déjà que les niveaux 1, en plus. Donc c'est 100 par seconde, je crois. Donc c'est pas énorme. Donc il faudra en faire plusieurs. Bon, même si on en fait plusieurs, du coup, en fait... au final, c'est comme si on faisait un avant-poste. On est d'accord. C'est comme si on faisait un avant-poste, donc on va être obligé de le défendre. On va devoir mettre des murs tout autour. Donc au final, ça sert à quoi? Et puis si on met des murs... avec des tourelles et tout... du coup, il faut... tour laser, ça c'est bien ça. Tour à canon électrique. Voyez, parce qu'on peut faire ça, mais... compresseur liquide, c'est quoi? Énergie moins 500. C'est énorme, 500. Toi, c'est quoi? Converseur de plasma. Moins 500, c'est énorme. C'est moins 100 secondes. Puis ouais, il faudrait des murs, il faudrait des tourelles. Si on met des tourelles, il faut les alimenter. Bon, après, c'est pas beaucoup de... les tourelles en elles-mêmes, non, c'est vraiment pas beaucoup d'énergie. Donc à la limite, on peut ne pas peut-être les relier. Enfin, j'en sais rien. Pff, on va faire déjà les plantes, parce que là, ça commence un peu à me gaver. Donc, on va faire... non, on va utiliser un autre endroit. On va faire ça là-bas. On va faire déjà cultiver les plantes parce que il nous faut les choses. Là. Il faut les trucs. It's getting cloudy. It looks like it's going to rain. Bon, pour faire de l'eau, il faut ça. Donc. It's raining. It will decrease the output from solar panels until it stops. Une réserve d'eau. Voilà. Ça fait un peu Jurassic Park avec les arbres partout là tout autour. Ok. Ah oui non, celle-là elle est bien protégée en plus de. De trucs, ça va. Voilà, ça. On va faire le reste. Voilà, ça suffit. 3. Et là. Ça se remplit d'eau. On va avoir 100 cadeaux à peu près. Donc très bien. Maintenant on veut... donc... c'est là. Cultivateur. Niveau 3. Cultivateur. Station de récolte. Alors... genre on peut faire un truc là. Avec ça. Et
on va l'inverser. Hop. The rain is over. On va en mettre deux, on va voir un peu ce que ça donne. Voilà, donc nous on voudrait... Alors là il y a quoi? Il y a ça qui est bien, ça qui... Il faudrait un truc avec deux minéraux qu'on a besoin. Là on a quoi? Titane. Ah, là on a du cobalt. Non, cobalt on s'en fout. Titane, je sais pas quoi faire. Bon, il va falloir bien choisir un truc. Allez, la zénith. Là, ça va être de la zénith. C'est bien parce que ça a récolté tout ce qu'il y avait déjà, je crois. Les trucs qu'il récolte, bah, il récolte les plantes qu'on a laissées, en fait, aussi. Donc, ok, c'est cool. Ok, donc voilà. Fichement de carbonium. Voilà, donc là ça c'est bien. Putain, ils font fait chier en fait ces gisements là partout là. Et honnêtement, ils me font chier. Ça sert à rien de les récolter parce que on est plein. Ah, très bien. Voilà, comme ça c'est pas détruit. Maintenant on va en mettre autre part. Avec genre là par exemple. Je sais pas si c'est le plus efficace honnêtement de faire comme ça. Mais personnellement c'est comme ça que je le fais moi. Après je pense qu'il y a sûrement un moyen de mieux les placer tout ça. Mais bon, c'est efficace comme ça, ça passe aussi. Donc là on va surtout utiliser les cristaux pour le moment, parce que comme j'ai dit c'est les plus sympas et les plus faciles à reconnaître en plus. Donc il faut de l'eau. Alors c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce machin? Mais c'est quoi ces trucs? Mais... Casse-toi! Je rêve ou ils étaient en train de pomper de l'énergie? Qu'est-ce que c'est que ces machins? À quoi ça ressemblait? Ça, je crois que c'était ça. C'est quoi ces machins? On dirait qu'ils pompent de l'énergie. Ils s'accrochaient à mes câbles. Super chelou. J'aime parce que normalement ils récoltent tout et n'importe quoi du coup. Là, ils récoltent tout ce qu'il y a au sol. Alors bref. Donc on va mettre un tuyau là. C'est en local. Pourquoi c'est en local? Ok.
Ok, nickel. On voit tous les petits bots qui s'activent. Donc ça... Là on est bien. Ah, sélectionne. Donc là on a ça. Donc là on a du fer d'onite. Là on a du azénite. Tu vois un peu? Ouais, pour l'instant on n'a pas. Maintenant on va en mettre encore. Alors, on peut en mettre un... Il faut quand même de la place, quoi. Genre là. On avait dit que 3 récolteurs seraient bien, mais je pense que 2 ça suffit. Je vais voir un peu là. Ah, y a quand même beaucoup de cristaux par terre. J'avoue que 3 c'est peut-être mieux en fait. Ça fait plus de d'électricité, mais... Genre comme ça. Voilà, et à côté. Hop. Ah, ça fait joli comme ça. Donc nous on a... Là on va mettre du tanzanite. Tanzanite, très bien. C'est bien ça, hein. Donc on a... tanzanite. Le jaune, le bleu clair, ok cool. Et fais voir l'eau, ça descend ou pas? Non, ça descend pas. Ça consomme quasiment rien d'eau je crois. Ouais, c'est moins 100 à la seconde quoi. Donc honnêtement on est tranquille. Donc là on peut encore en mettre. Pourquoi pas ici. Pas vraiment bien placé. Mais... Enfin non c'est pas bien placé du tout en fait ici. Non laisse tomber. Pas mettre ça là. On va mettre des, on va pas commencer à mettre dans des endroits qui sont super exigus. Hein. Déjà là ça fait chier que du cobalt de merde. Ça vous amusez bien les bestioles là? Hein? Vous êtes content? Là on a quoi? On a ça, ça, ça. Là on a rien de spécial. Là on a du rouge. Je pense qu'on va prendre ça. Je crois que ça c'est les trucs du DLC. Et en plus ça donne du titane. Faudrait peut-être avoir 2 fois ça. Tiens. Ouais. Là, deux fois ça à la limite parce que ça a l'air pas mal ça. Bon, enfin, je dis 2 fois. Même plus hein. Même plus, ça serait pas mal. Donc là, c'est les générateurs. On va aller de ce côté-là. Ben voilà, ça avance bien notre petit système d'exploitation là. Très content.
Évidemment. J'ai mis des... Merde. J'ai mis des défenses du de ce côté-là. Alors, on va voir. Tuyau d'eau. Merde. Putain, c'était là. Voilà. Je vais voir un peu les cristaux, à quoi ça ressemble. Ils sont où? C'est ça? Attends, on va regarder l'autre. Attends, j'ai bien choisi là. Ah merde, j'ai pas choisi, pardon. Ça. Hop. Ah voilà. On les voit. Ah, parfait. Oui, du coup. Oh merde, quel coup. Aïe 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 aïe. On va y arriver, On se bouge parce qu'on a l'autre mur aussi à faire. Ce mur là à faire. Danger! A hostile swarm is moving in on our base. They are almost upon us. Oh yo yo, quel bordel ici. Du coup, je vais voir si ça marche bien. Est-ce qu'on a titane? 5. Ouais, ça va. On commence à en avoir un petit peu. Ouais, non, ça va. C'est cool. Ça marche, ça fonctionne. Faut juste en faire... On va en faire plein partout, en fait. De cultivateurs, là, des trucs en métaux. Après, je sais pas s'il y a des plantes qui donnent plus de ressources plus rapidement. Ça, je suis pas au courant, ça. Je sens que je vais arrêter de mettre des sols surélevés parce que honnêtement ça fait que se détruire. Ok, ça arrive là évidemment. Mais le plus gros c'est là. Ça va, l'autre mur a l'air d'être bon, je pense. On peut jouer comme ça, c'est un peu fou. Enfin, j'ai pas l'impression qu'il soit bon. Si ? Comme d'habitude, hein, ça a détruit les plateformes.
un peu les distraire. Oh mon dieu. Passe bloquée. Mon dieu, les trucs rouges. Faut toujours bouger parce qu'ils font super mal ceux-là quand ils font le rocher là en dessous. Bon ben voilà, on va voir un peu la casse. Yes, nickel. Rien n'est détruit. Nickel. Voilà. Oh vache. Pareil là, c'est déjà réparé. Pendant la nuit, on a besoin de courant apparemment. Ouais. Est-ce qu'on récolte des plantes? Je vais voir un peu. Là, les cristaux, non. Ça, ça fait quoi? Ouais, non, ça... Ah oui, par contre, c'est ça aussi la différence, c'est que là, ça fait que des cristaux. Si c'était des plantes, on aurait des feuilles aussi. Donc les feuilles, ça donne aussi des... des ressources, quoi. Qu'est-ce que je raconte? Des ressources, des feuilles, des... Pour le générateur. Pour le générateur. On va encore en construire un seul, je crois. De toute façon, il va falloir que je mette fin à l'épisode. Genre... Pensez que 3, ça suffit des récolteurs? J'ai l'impression qu'il faudrait peut-être en rajouter encore. Pour aller plus vite. Peut-être 4. Il y a quand même beaucoup de cristaux, hein. Ouais, il y a quand même beaucoup de cristaux, hein. Putain, il en faut 4. On va en rajouter un à chaque fois. En fait, faudrait peut-être les mettre vers l'extérieur. Ouais, je pense que le plus fiable, ça serait... Parce que là, en fait, on emmagasine... Putain, il faudrait tout refaire. On emmagasine des bâtiments. Et du coup, il n'y a plus la place, en fait. Donc, faudrait les mettre à des extrémités, comme ça, les récolteurs. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, il me faudrait une grande ligne droite... Oh, c'est pas grave. Maintenant, c'est fait, quoi. En fait, faudrait aligner ceux qui créent les plantes et après aligner ceux qui les récoltent. Je sais pas si je suis clair, mais... Mais en gros, c'est ça. Je pense qu'il faudrait faire ça. Là, bah, je pourrais le faire, là, pour montrer. En fait, faudrait... Genre un truc qui fait ça.
Genre un truc qui fait ça. Et après là les récolteurs ce serait quoi? Ce serait genre... Enfin quoique en fait ça fait des cercles. Ouais non il faudrait les faire au milieu là comme ça. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ouais comme ça. Interesting. We should go and investigate that area. Je sais pas. Ou on les met tous au centre. J'en sais rien en fait. Je sais pas. On peut voir un peu. Là du coup il faudrait faire pareil. Bon là on n'a pas la place mais... Quelque chose comme ça en fait. Ça serait peut-être techniquement plus efficace, je crois. Je sais pas. Je suis pas sûr, mais... ça ferait quelque chose, quoi. Je vais juste finir celui-là, puis après on va voir... enfin après on va mettre fin à l'épisode déjà, et après on verra plus tard pour... Ça serait peut-être plus simple de faire les choses comme ça. L'énergie qui drop. L'énergie qui drop. Ouais, en fait, comme ça, c'est bien, c'est sûrement plus efficace, mais bah, ça pompe beaucoup plus, du coup. Parce que on dissèque, en fait, les récolteurs. Tiens, on se fait agresser déjà, c'est bien. Chérie, ça a coupé. Ouais, je pense que comme ça, c'est plus rapide. Mais ça pompe plus. Ça pompe nettement plus. Puis on va manquer de plantes bientôt. Si on continue à faire ça.
Bon, on va s'arrêter là et on corrigera ça plus tard. Allez, on va s'arrêter là. Faut qu'on aille détruire les bestioles aussi. Un truc que je vais faire par contre, c'est peut-être créer des armes et les faire hors vidéo parce que... Enfin non, créer des atouts. Parce que les trucs défensifs et tout, ça va prendre plusieurs essais. Parce que maintenant, en fait, on a les matériaux pour pouvoir créer les nouvelles armes et les trucs de défense. Genre, on peut faire le laser orbital supérieur. Crafting completed. Voilà, déjà ça peut aider. 2000-2500. Nickel. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, ça, il faut l'uranium. Là, on a du blindage. Bah, du coup, on peut faire le blindage en violet. Donc, ouais, je vais essayer tout ça. Je vais en crafter, je les montrerai la prochaine fois. Mais ouais, là, on a... Là, c'est vrai que ce que je viens de faire, là, on consomme énormément d'énergie maintenant, de cette façon-là. Mais c'est peut-être... ça ira peut-être plus vite, je sais pas. Mais voilà, c'est différentes façons. Mais bon, je crois que comme j'ai fait la deuxième fois, là, au sud... C'est quand même nettement plus efficace, hein, mais bon. Faut qu'on résout ce problème d'énergie, là. Ouais, faut qu'on résout ça. À la prochaine, ciao ciao.